Eh bien salut, c'est AG, bienvenue pour l'épisode 10 de Hyrule Warriors. Alors tu vas me dire pourquoi on a débloqué la petite zone là-haut, au milieu à droite. Eh bien tout simplement, j'ai déjà tourné cet épisode, mais le problème, c'est que j'ai joué avec Link. Et dans l'épisode précédent, on avait dit qu'on jouerait avec Faye pour voir un peu son gameplay. Du coup, on va recommencer cet épisode, bon pour toi ça changera rien, mais je préfère te prévenir pourquoi on a débloqué l'autre zone. Alors, on va te prendre avec l'épée divine, let's go! Chajima, l'ambition de Célé. Faye, une servante de la Décilia, se joignit à Link. Ensemble, ils repoussèrent Volga, le chevalier dragon. Mais malgré cette victoire, Guirahim, profitant de l'agitation de la bataille, parvint à s'enfuir. Agitation, agito. Espérant vaincre Guirahim et fermer la porte des âmes, Link suivit les conseils de Faye et se hâta vers le vallon du sud. On est toujours dans le monde de Skyward Sword. L'armée d'Hyrule avançait vaillamment vers son ennemi. C'est alors que Guirahim referma son piège. Ok. Oh la vache, la map! Oh! Et regarde, elle est super grande, t'as vu tous ces mobs? Allez, on va commencer. Magnifique, avec la porte du temps. Le vallon du saut. Bon, on va voir ton gameplay, toi. On va taper normalement pour voir. Elle fait sa petite danseuse ballerine en Skyward Sword. On peut se booster comme ça avec le bouton Y, ça booste notre puissance de lumière. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre comme combo? En 2. Ok, le petit Salis. En 3. Wouah! Je kiffe cette attaque. Et en 4. Ok. Pour moi, nous avons ça comme combo. Bref, éliminer le gardien de la porte qui se trouve aux portes du temple. Aux portes est du temple. Elle est en haut. Tu vois, là, c'est fermé, donc il va falloir les tuer, eux, pour passer. Alors, comme je l'avais dit, hein, j'avais tourné l'épisode, mais avec Link. Et souvent, des gens me demandent, par commentaire, de rejouer Link. Alors, je peux pas tout le temps le jouer, parce qu'en fait, on a des restrictions de personnage. Je le montrerai en fin d'épisode. C'est vrai que je n'ai peut-être pas parlé de ça. Bon, pour celui-ci, on pouvait jouer Link, mais bon. Je préfère varier au niveau du gameplay, c'est beaucoup plus intéressant que de voir toujours la même chose. T'es pas. Et on va par là-haut. De toute façon, faut pas s'inquiéter, Link en rejouera. D'ailleurs, pour le prochain épisode, ce sera Link. Je crois que d'ailleurs, pour plusieurs épisodes, ce sera Link. Moulé! Je vais en mettre un coup de charge. Non, je me suis raté. Le gardien de la porte. Toi, on va mettre le coup de charge. T'es mort. Bitches. Motherfucker. Prenez ça. Une partie de l'armée d'Hyrule vient de vous trahir. Ah bah c'est génial ça. Comme si on n'avait pas assez d'adversaires. Tiens, il y a un soldat traître. Prends cette bombe, enfoiré. Hein, seul traître. Motherfucker. Allez, X, on va voir ce que ça donne. Wouhou! Ta! Yeah! Oh, je peux booster, hein. Merde. Pas eu le temps. Mets un coup point faible, s'il te plaît. T'as pas envie? Si, voilà. Je vais voir son coup point faible. Oh, 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 oh. J'espère que t'as souffert, ta cuirasse. Sale boîte de conserve. Wow, 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 wow. On se calme, Baba Mojo, tu meurs. Et on va aller à tous les points rouges. Bon, là, c'est une zone pour une sculpture d'or. Comment elle n'est pas apparue. Si jamais elle apparaît. Hein, hein sale traître. Enfoiré. Tu veux faire rejoindre la compagnie créole. Une autre partie de l'armée de Hyrule vient de vous trahir. Mais c'est super. Comme si on n'avait pas déjà assez de gros problèmes. On meurt, quoi. Tiens, saleté! J'ai niqué le boss du fort, comme ça on va prendre ce fort en même temps. Yeah. Oh,
On va le prendre. Hop. Alors, qu'est-ce donc? Ok, c'est une arme simple. Donc, normalement, quand je l'ai fait avec Link, je crois que c'était une arme scellée ici. Comme je l'ai déjà récupéré, mais apparemment, une arme normale. Des traîtres se déclarent partout. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui dirige les traîtres. Si c'est le cas, il faut vaincre cette personne. Bien, je crois que c'est. Explorer l'effort et trouver le traître. Aide-toi, non? X. What the? Pas de booster. Hop. J'ai pas fini avec toi. Enfoiré. Je t'apprends à nous trahir. Pétasse. Je prends ça. Ça veut bien, voilà. Il faut aller en bas. On peut voir toutes les zones qui clignotent. C'est ça les. Oui, je viens t'aider, t'inquiète pas. Les zones qui sont intéressantes à voir pour trouver le chef des traîtres. On va aller pas ici. Tu vois, quand on passe à l'intérieur, le clignotement s'arrête. Pas ici non plus. Un petit soldat traître ici. Je suis. Moi, je veux le mariole en fait. Viens danser avec moi. Pas fini. Là j'en ai fini. Hop. Ah, le chef des traîtres. À lui, c'est ce qu'on va lui mettre. X dans la gueule. Hop. Allez, meurs. Arrête de te protéger! Voilà, mets un point faible! Voilà. Crève beaucoup plus facilement avec ça. Beaucoup plus puissant. Des attaques simples et basiques. Dégagez-vous! Bon, on disparaît. Vous avez vaincu le chef des traîtres. Bien. Quelle est ma mission maintenant? Fouille! Pas pris un peu dans l'herbe. Peut-être des trucs. Ouais, une bonne chose de fait. Allez, on se ressaisit et on repart à l'attaque du temple. Ok. Tous les soldats traîtres battent en retraite. Ah. Karim effectue son petit rituel. Oh mon dieu. Je fais le clown. Oh, l'ennemi a percé à chaud mon plan. Oh là là. Et vous avez touché mon ego. Comme c'est vexant. Cela me met dans une humeur exécrable. Je vais devoir châtier cette impertinence en vous infligeant des souffrances infernales. Et qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Ah ah! On reconnaît cet emblème? Cette pierre le bannit. Gros poisson à écailles. Bannir rejoint le champ de bataille. Eh bien, on va aller le niquer bien gentiment. Le violer. Oh la vache, c'est pas tout ça. Tenez, d'enfoiré. On dirait les ténèbres incarnées. Attention, ce n'est pas un ennemi comme les autres. S'en fiche. Pour moi, c'est tous les mêmes. De la chair à pâté. Alors, comme dans Skyward Sword, il va falloir s'attaquer au pied, puisqu'on ne peut pas monter directement sur son crâne. Et boum. Il faut esquiver ces petites ondes en même temps. Allez, on va mettre un coup de X. Ça ira peut-être plus vite avec ça. Ça va plus. On se boost et lorsqu'il tombe, on peut le taper. Encore. Ah. On va tuer les ennemis en attendant. Ça se remplit la jauge pour le coup fatal.
Allez la baleine, dépêche-toi. Ah, rien, ça m'intéresse. Hop. Crève-toi. Je finisse ton poste. Alors, faut attendre qu'il finisse ses ondes rouges et après on pourra y retourner. Boost. On va mettre X. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai gâché une attaque pour rien. On dirait que ce monstre concentre ses forces. Est-ce qu'il compte détruire le fort? Oh, doucement, doucement. On dirait qu'on peut le bombarder depuis les forts alliés. Essaie de lui tirer dessus quand il s'arrête. Bien. Vite, 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 vite. Ah, j'aurais pu passer par en bas, ça aurait été un petit peu plus vite. Tu t'es pêché. Ah, mais je peux pas activer, c'est pas... Faut tuer les gobelins. Vite, j'espère qu'on aura le temps. Fais pas le con, hein, le banni. Fais pas le con, Marcel. Le boss du fond. Vite, vite, vite. Crève, 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 yes. Et on va activer la méga-tapulte, dépêche-toi. Le bruit de chute. Et on va pouvoir aller le frapper. Ce qui est pas mal, c'est que ça lui a retiré de la vie. Bonjour. Sale moche. Petite truite des sables. On va bien voulu voir la petite cinématique en même temps. Qu'est-ce qu'il fait? On va se remplir notre bain en attendant. Le banni avance sur le fort est. Merde! Putain. Me suis trompé de touche. C'est génial. Voilà, c'est ce que j'aurais voulu. Alors, faire gaffe, il y a des plus grandes ondes. Faut esquiver. Faut pas avoir peur, hein. Esquive à l'intérieur. Aïe. Allez. Pété. Voilà. Boost. Wow. Je t'ai vu, gros cochon. Esquive, hein. Projet sur lui. Ok. Bon, j'avoue, j'abuse de cette attaque. Elle est tellement bien. Ça se permet de se déplacer. Tiens, un coup d'arc dans la gueule. Mais ça lui fait rien du tout. Voilà. Hop là. On ira nettement plus vite. Allez, est-ce que c'est notre dernier coup? Ah non, encore un dernier. Ah, t'es résistant pour une truite, hein. Il attend de la magie. Aïe. Je me suis approché un peu trop près. Allez, relève-toi. Un défunt mongol par terre. Oh, y a Link là-haut. Pas ce qu'il faut. Parfait. Au sol, s'il te plaît. Oh. Oh. C'est la moitié. Et on danse. C'est tellement classe. La danse de la truite. Chute du phare en mai ouest. Niquer ses propres potes. Tu
Skulltula est apparu. Peut-être essayer de le tuer avant, non? Avant de le chercher. Aïe. Boum. Dépêche. Allez, allez, allez. Yeah. Tu crèves. Alors là, ce que tu l'as, c'est vers là-haut. Ouais, c'est bien ce que je pense, c'est ici. Hop. Bonjour. Ok. Que fait-on maintenant? Misérable vermine. Ah, peut-être aller sur Guérine. Mais attends. Je vais faire un tour en bas avant. Parce qu'on se fait attaquer notre base alliée. Et ça, c'est pas cool. Regarde tout en bas. On va plein de rouge. On va se dépêcher. Pas de la magie, par contre. Oh mon dieu. Il y a du monde. Ça. Salut, bande d'enfoirés. Tiens. Non mais... La magie ici. Parfait. Dégagez mon enfoiré. De vous toucher à ma base. À de mettre des contres. Quoi. Et meurs gentiment. Dans le néant. Boum. On va se calmer, il y a trop de monde là. On est par ici. X. What the? T'inquiète pas, je vais te sauver mon petit gros. De prendre cher. Dégage. Voilà. Plus que les gros. Boum. Bon. Ça devrait être bon. On va... Ouais, nos alliés se débrouillent vraiment très bien. On va se dépêcher d'aller à Guérim. Alors, faut savoir que l'élément, quand même, c'est très très bien. Comme je suis l'élément lumière, Guérim, lui, est d'élément ténèbres. Du coup, on a sa faiblesse. Et au niveau des attaques, on lui fera bien plus mal. Ça, faut le savoir. Par là-haut. En espérant que ma base alliée ne tombe pas avant. Et juste avant, on va se booster aussi avec l'épée céleste. Bonjour, je fais que passer. Pareil, je fais que passer. J'espère que vous allez bien. Et pas là-haut, le voilà. Oh, c'est du monde. Monarque démoniaque, Guérim. Tu veux jouer le malin? J'active ma magie.
Là, tu vois, ça fait super mal. What the? Dégage, quoi. T'es où? Aïe! Je pense que ça dans la gueule. Yeah! Aïe! Tiens! Elle est bientôt mort. Esquive! Alors on va attendre qu'il finisse son combo. On va souffrir. Yeah! Retourne d'où tu viens. Maître, brandissez votre épée vers le ciel, puis abaissez-la. Tellement de clins d'œil à Skyward Sword. Eh bien voilà. C'est ici que s'achève notre émission. Oh, 180 d'attaque. Oh, on débloque un petit truc au Midona. Comme si j'allais la reprendre. Et une nouvelle illustration. Au moins une partie de l'illustration. Et voilà, on a accès à la nouvelle zone. Et comme tu vois, et ben on va devoir jouer Link. Donc je voulais te montrer, voilà. Il y a des restrictions, personnages sélectionnables, je peux choisir que Faye, Link. Et là c'est pareil, on peut choisir que Lana. Ouais, voilà, on me l'avait demandé sur Palais du Crépuscule de prendre Link, mais c'est impossible, je ne peux prendre que Lana et Midona. Ce qui aurait été préférable aurait été Lana, mais Midona, comme on l'avait pas joué, j'ai préféré montrer son gameplay, même si elle est pourrie. Même si une grosse merde, une merde infâme. Et voilà. Et comme ça, on a des restrictions un peu partout. Bref, bah la prochaine fois, pour le prochain épisode, on ira sur le temple de l'épée sacrée. Et pour ton plaisir, on sera obligé de prendre Link, puisque c'est la seule restriction, on peut voir là, marquée dans le petit cadre. J'espère que tu auras apprécié cet épisode, et je donne rendez-vous pour l'épisode 11 de Hyrule Warriors. Sur ce, porte-toi bien, et à la prochaine, salut.